Shalom, shalom la famille. Nous vous saluons au nom de Jésus. I greet you all in the mighty name of Jesus. Good evening, wherever you are. Let God bless you. This is our program. On va commencer bientôt notre programme. So, que Dieu vous bénisse. Entrez massivement en ligne. Nous sommes là. On va parler sur la puissance de l'adoration. Can you see we have many worshippers here? Rosette Ministry, we have many worshippers. And we speak about it, the power of worship. Hallelujah. Maybe you are worshiping God. You don't know what impact inside of worship. So we are going to speak about it. We have men of God here, Prophet Ian Eli. We have a worshiper, Fiston Badibanga. We have a great servant of God, Mama Lisi, and great servant of God, Deborah. So we are going to speak about the power of worship. The power of worship, la puissance de l'adoration. Avant que je continue, je vais donner la parole. Merci beaucoup, merci Maman Rosette, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous tous de partout là, vous nous suivez, que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci beaucoup, avec un grand thème sur la puissance de l'adoration. Qu'est-ce que c'est la puissance de l'adoration? Nous allons lire dans la parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4, les versets 23 à 24. Jésus dit, mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Je viens de dire à quelqu'un, notre thème est intitulé « La puissance de l'adoration ». Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire dans ça? Quand on parle de la puissance de l'adoration, nous voyons ce qui donne la puissance, c'est la sanctification. Tu ne peux pas adorer le Seigneur as long you are not in holiness. Il est le Dieu qui aime l'adoration. Les cadeaux, l'offrande que nous devons lui donner, parce que lui il est esprit, nous devons lui donner l'adoration. Et quelle sorte d'adoration que nous devons lui donner? Nous ne devons pas adorer le Seigneur dans la chair, mais Dieu aime l'adoration qui vient de la profondeur du cœur. Pour produire une bonne adoration agréable à l'oreille de Dieu, ça demande la sanctification. Et s'il n'y a pas la présence de la sanctification, tout ce que vous pouvez faire, vous allez plaire aux hommes. Si vous voulez impacter, faire de grandes choses, c'est lorsque Dieu agrée votre adoration et vous serez aussi reconnu sur la terre. Mais si vous voulez être reconnu parce que vous avez la voix, vous chantez bien, vous avez la population, vous pouvez faire cela, mais Dieu n'est pas dans ça. Donc si vous voulez que vous puissiez toucher les trônes de Dieu, que la manifestation de Dieu puisse se faire, vous devez marcher dans la sanctification et en suivant la volonté de Dieu. Pour mieux terminer, pour bien terminer, j'aimerais dire ceci. Vous devez beaucoup tirer attention. Les conseils que je donne aussi aux musiciens, nos frères et sœurs, on ne chante pas pour convaincre les gens, mais on chante pour convaincre les trônes. Lorsqu'on convainc Dieu, tout ce qui va se passer, si Dieu aime ce que nous faisons, et les mondes vont aimer ça. Et les mondes vont aimer ça. Et c'est pour dire que sur la terre, ce que nous sommes en train de faire, c'est une répétition qu'on est en train de faire. Car au ciel, ça sera que l'adoration et la louange. C'est pourquoi Christ l'a dit, l'heure est venue. Donc les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc nous devons commencer dès maintenant à adorer le Seigneur dans l'esprit et dans la vérité. Parce que là nous partons, ça ne sera pas ni la chair qui va adorer, mais ça sera l'esprit qui va l'adorer. C'est pourquoi je vous bénis vous tous et soyons connectés et Dieu va vous faire du bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Une chose que je devais ajouter avant de chanter, dans l'adoration, il y a des miracles qui s'effacent. Dans l'adoration, des chaînes tombent. Dans l'adoration, il y a la restauration. So, si tu veux adorer le Seigneur, make sure that you are worshiping God in the spirit and the truth. You will see many things in your life change. God bless you. Yes, can we go? Come on. Hallelujah. Lord, we need you. We need you.
We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We magnify your holy name. We bow before your throne. We magnify your holy name.
before your throne, Father Lord. We bow before your throne. You're the only God who deserves our worship. There's no other God like you, Father Lord. There's no other King like you. There's no other God like you. No one can do what you do. That's why today, yes, God, we are bringing for you our worship, Father Lord. Receive our worship. And I will sing. Holy, I will sing. Holy, to my Lord and Savior, my God and King, I will sing. Holy, I will sing. Holy. Holy, come, you are holy, holy,
never change, God. Yes. Your sickness can never change, God. Come on, Jesus. The situation that you are right in, it cannot change, God. But let me tell you something. God is able to change your situation. Yes. Hebron passed, but our God remained the same. Yes. Moses passed, our God remained the same. Come on. It's God of all generations. Yes. Stop crying where you are. Yes. Stop crying where you are. Yes. God is in control. Let me tell you something. If God doesn't speak, it doesn't mean he's absent. Yes. Hallelujah. Be confident where you are. Our God is able to change everything in your life. Tu es capable de te toucher maintenant. Tu es capable de changer. Hallelujah. C'est toi notre force. Tu nous soutiens. Le Créateur. Thank you.
Tu adores, c'est Dieu qui descend. Alléluia. Et lorsque Dieu descend, il ne descend pas pour regarder te plaire. Il ne descend pas pour te regarder pleurer, te lamenter. Après avoir recevoir, il donne aussi. Parce que la Bible dit que c'est la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Lorsque tu donnes à Dieu, c'est en ce moment que tu reçois aussi la puissance de l'adoration. Paul et Silas, dans la prison, ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu. Et il est descendu. La puissance de l'adoration a brisé les chaînes. La puissance de l'adoration a brisé les chaînes. Cet après-midi, ce soir, la puissance de l'adoration d'aujourd'hui va briser la maladie. Cette adoration va briser ta stérilité. Cette adoration va briser ton échec. Cette adoration va briser ta maladie. Parce qu'il est Dieu qui fait le miracle. On l'appelle le faiseur de miracles. Yes. 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 Si selon yo, ezala kinde bolingo. Bolingo yo tali sakana ba oyo ya yo. Aha. Basio yo nazo mona lelo. Ba misusu batali nga balobi Yesu asundolinga. Ba misusu batali balobi yo bosaninga. Ngai na yebi ete yo bosaninga ite. Likambo eza ya basio yo nazo mona te. Kamboza ya hoyo ngayi na kozala lobi ngayi na kota tola bondene na yo atana kati ya libota na ngayo yo yango na lobi ye sala na tango lingi yawe pambolanga na tango lingi samba lola bikisanga na tango lingi besa libala na tango lingi ye. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Oh,
Toi, tu nous suivais de partout où tu es. Reçois la puissance des dieux. Laisse que Dieu puisse changer ta vie. Laisse que Dieu puisse te restaurer. Laisse que Dieu puisse te visiter. Avant de nous regarder, si tu pleurais, je proclame ceci. Après ces chansons, tu seras béni. Après cette chanson, tu seras consolé. Après cette émission, tu seras visité. We worship you. Alleluia.
throne for my salvation, my Lord. Tormented, you were just for me. You pay my debt, it's Calvary, my Lord. Danser là où tu es, même si tu étais malade, lève-toi et danse. Dans la louange, il y a les chaînes qui se brisent. Alléluia. Hey. I'm not your shadow.
Very soon we will leave you. This is our last song. So you be blessed. Hallelujah. I'm sure that you are blessed. Hallelujah. Amen. So stand, you move, you are dancing for the glory of God. Come on. Let go. Can somebody say Yesu atasema? Can somebody say Yesu akoloba? Hallelujah. Yesu atasema pa maisha yako. Wewe ule tufata mangaribi ya leo. Fashi yote pale mambo yakoanze kubambika. Mambo itabambika hii mangaribi au nom de Jésus. Kama rulukula Mungu atakupatia guérison au nom de Jésus. Mungu atachange, atatransforme mambo yote maisha yako. Can we go? Kufarijie, hata kupanguza machozi kama likumbukaka Davide kati ya pori hata kumbuka na weye hata kulia lia hata sema hata sema Yesu hata sema hata sema baba maisha yangu hata sema Yesu hata sema hata sema hata nifika heshima hata nitosha ya maisha yangu Yesu atasema, maisha yangu, amen.
Ah, papa, wanye, 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 wanye
Bozo bina te bina 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 ah. Eh, ale biso to boya Yesu te. To linga ya Yesu te. Biso to boya masubu eh. Kasi to pona ya Yesu eh. Biso to boya kitumba eh. Kasi to pona ya Yesu eh. Kale na we to awe. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Let God bless you. This is what Rosette Ministry. Hallelujah. I hope do you enjoy together with us. I hope you praise together with us. Let God bless you. This is what Rosette Ministry. So God bless you. God bless you. God bless you. Check our Facebook page. Check our YouTube. Please submit yourself. Everything you will see, you will see it on my page, Facebook, Instagram, and YouTube. God bless you, and God bless all the servants of God we have here in this place. We thank God. God starts with us, and it finishes with us again. We say thank you so much. Thank you so much. Restez branchés. Thank you.